T'as l'air drôle, Pierre. T'as peur? Non, Cléo s'est sauvé la nuit passée. Puis on l'a pas vu de la journée. Le canot de sa chaîne était cassé. Je comprends pas. Lève-la, il arrive! Ah non, ah non, non! C'est pas ton frère, ça, les lunettes. Méchant B. Rendez-vous. Ou bien, si vous trouvez ça le fun de manger des coups de pelle dans la face, continuez à nous provoquer. Je dis en soldat, si on monte, on redescend pas tant que le fort, puis vous autres serez pas complètement à terre. Il y aura pas de pitié. Qu'est-ce que ça peut te faire à moi? Si mes gars décident de faire un vrai fun, qu'est-ce que ça peut faire à moi? Si mon pote fin, ex appelle, décide qu'il a envie de taper une petite tremblée sur le bord du front, je suis pas capable d'arrêter, moi, lui. Fait que rendez-vous, puis avec toute la honte que ça vous donnera, puis venez nous donner des becs sur les pieds. Sinon, mon homme va ramasser les filles par les tresses. Mon homme va pogner les têtes des gars puis les fesser sous des mottes de glace. Mon homme va peut-être aller dans vos maisons après pour se faire de la sauce à spag avec vos bébés. Mon homme va faire du smoke meat tranché à coups de pile dans vos facelettes. Voulez-vous éviter ça ou vous voulez périr? Go! Et finalement, on voulait sur des images très touchantes. 200 soldats ont quitté la base hier soir pour une mission humanitaire. Une mission en fait de maintien de la paix. De la paix, oui, que nos soldats sont en train de maintenir, oui. Avec des guns, des tanks, des F-35, tout scrap, mais pas encore fini de payer. Des images, oui, très touchantes. C'était Daniel Blanchette à Victoriaville. Froid au loin.